Hop là! Bon, on vient de se taper une petite mise à jour du jeu. On est passé sur un 1.06. Et voilà, du coup, continue un petit peu Spider-Man. Le Bélier. Et celui-là est... Hop! Ah, ça y est, je suis à peu près... À peu près prêt. Ouah, la webcam est tellement pas cadrée. C'est pas grave. Gars, à 13% du jeu quand même. Hein. Allez, continuons. Oui, du coup, la webcam, je vais la tourner quand même si jamais je veux la mettre. Il est qui regarde tous les streams. Bah après tu as multi Twitch sinon. Si tu connais ce truc là. Je sais pas trop Donc elle comment ça laisse un message? marche. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression que le son bug, comme la dernière fois. C'est relou. Pourtant j'ai débranché, j'ai rebranché. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien si c'est gênant. Il me dira, allez, hein, si le son ça va. Je ne sais pas. J'ai du mal Hey, à... j'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des paiements. J'étais sur À vous, changeons déterminer. d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de fisc. Ils s'en prennent à fisc? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de fisc qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Alors. Bon, là pour l'objectif principal, on doit aller ici. À noter qu'il y a également une mission annexe là. Spider Sozzi, mission annexe. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire la mission annexe d'abord? Allez. Go. Priori, je vais jeter un œil. Allez, on est parti. Hey Yori! Ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Ça va Davis. passer à deux streams. C'est un Ah bon bah flic. voilà. Il bosse sur le dossier fisc depuis des années. Oh ouais, de toute Si façon, tu quelqu'un sais sait bien ce qui qu'il se n'y a passe qu'un là-bas, seul stream important à c'est bien lui. regarder. J'espère que je suis sur la page principale. Voilà, c'est toujours aussi stylé. Ah non, m'embêtez pas avec vos missions nulles là. Ah, oh, je vais le faire, c'est juste là. Ils vont finir par se faire mal à se tirer dessus. What? J'ai raté. Tenez bon! Ah, La cavalerie est c'est au bout du chinois. fil! Ok.
ce qui était fou, mais lui au moins, il aimait New York. Les démons, eux, on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. Ok. Je vais même pas tester le... mon nouveau pouvoir, hein. Je crois que j'ai un nouveau pouvoir. Rien de tel qu'une menace masquée pour nous rassembler. Ok. Allez, go. Les démons sont déchaînés. Ils terrorisent toute la ville. Voilà, mais laisse-le-moi. Sont les méchants. Ah, là-bas. Ah, c'est bon. Pourquoi les démons auraient besoin d'autant de liquide? Ouais, le nouveau pouvoir, il est cool, mais... C'est bon, c'est fini, les gars. Bande de sec. Ah voilà, la mission annexe. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de me remettre, du coup j'ai bougé la webcam. Spider Sozy. Y'a un problème? Non, je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma fille de ces voyous. J'ai fait ça quand? À l'instant. Occupé comme vous êtes, tout doit se mélanger, hein. Près du cinéma, à l'angle de la 126ème. Elle vient de me dire ça au téléphone. Ah oui, pardon. Eh ben, de rien. Content que votre fille aille bien. Bon, je me souviens pas du tout avoir été là-bas. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Ok. Il y a quelqu'un qui... Il se prend pour Spider-Man. Wow. Ah ouais, du coup je suis passé en 1.06 là dans le jeu, je sais pas si ça change quelque chose. Faut que je découvre ce qui s'est passé. Et oui, il y en a un qui veut prendre ma place. C'est comme si quelqu'un voulait prendre la place de streamer de Dead Eye. Bon, personne ne veut en vrai, parce que on s'en fout, mais quand même. Ah. Déjà de retour? Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui, j'y vais tout de suite. C'était de quel côté déjà? Tout à l'heure, vous êtes parti par là, vers le sud. Merci, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quoi? C'est bon, toujours en vie. Au moins, on n'a pas affaire à un justicier meurtrier. C'est déjà ça. Désolé, j'arrive après la bataille. Merci de l'avoir protégé, Spider-Man. Quelqu'un se fait passer pour moi. C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. Ah, le caméléon, c'est qui ça, le caméléon? Je connais pas celui-là. Encore un nouveau méchant de Spider-Man. Aïe. Quelqu'un se fait passer pour moi.
C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. C'est sans doute un coup du caméléon, évidemment. On n'a rien vu. Ah, du coup, tu trouves le son, il bug. Bon, attends. Ça sent le brûlé. Je vais essayer. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Parce que là, je l'ai bien débranché. Je vais refaire. Hop. Il y avait bien un incendie. Ah ouais, là ça bug plus. Putain, c'est bizarre ça. Je vois pas pourquoi ça fait ça. Effectivement, là le son est meilleur. Bon bref. Réglé. Faut vraiment que je trouve. Voilà le bâtiment brûlé. Je trouve ce qu'il en est. L'incendie a été éteint rapidement. Je crois que tout le monde est à l'abri. Beau travail, Spider-Man. Bon, après, c'était pas horrible avant. En fait, ça dépend des jeux. Sur Tomb Raider, c'est horrible quand le bug il se met. Dès que Lara elle parle, en fait, c'est certaines fréquences de son qui passent plus ou moins bien. Et quand Lara parle, c'est horrible. Un extincteur. Je me demande où il a laissé. Mon double s'est servi d'un extincteur. Il est peut-être encore par là. Il a utilisé l'escalier de secours. Il a pas dû réussir à copier mes lance-toiles. Hé, hey, Spidey, vous en avez fait quoi de l'extincteur ? Un extincteur ? Je me demande où il a laissé. Je trouve l'extincteur, c'est ça ? Vous voyez là ? Substance inconnue trouvée. Ah. Il s'est servi d'un extincteur. Quel genre de produit il y avait là-dedans ? Oh là là, ça c'est le pire. C'est le pire truc. Alors il faut que je trouve un truc qui aille bien. Ouais, je pense déjà ça plus ça. Ça va être bon là, déjà. Tac, voilà. Ensuite ça, ça me plaît bien. Et ça, ça doit être bon. Voilà, facile. Un métamorphe. Poudre abaissée, standard et facile à détecter. Il est couvert d'une substance ignifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man 10. Ah. Il marche, pas de toile. Incroyable. Autrement dit, il est complètement suicidaire. On y va en marchant. Hein. Ouais, je sais pas s'il est loin ou quoi. Trouille à l'autre bout de la ville. Ah mais attendez, je crois que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait un trophée où il fallait faire ça 10 fois. Comment ça va? Ah voilà, c'est bon. Spider-Man urbain. Incroyable. Oh, c'est bon, je passe sur le passage pour piétons là, niquez-vous. On dirait que cet homme vient de se battre. Il sait peut-être quelque chose. C'est bon là, lâche-moi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a lieu sur le toit, je te le jure. Ok, évite les ennuis. J'espère qu'il est pas trop tard. Mon double a l'air plutôt doué. Ça va laisser des traces. Il risque d'avoir mal pendant quelques temps, mais il vivra. K.O. Mais en vie. Où est-ce que t'as appris à te battre comme ça ? Il a laissé la drogue.
Apparemment, ses intentions sont bonnes, mais ses méthodes sont folles. La police s'occupera du ménage. La contrefaçon a dû descendre par l'autre escalier de secours. La mise à jour. Bienvenue dans le monde des mises à jour. Moi, j'en ai une du jeu juste avant de le lancer. Ouah, c'est quoi ce costume? Regardez mes steps. Enfin, moi, quoi. Oh, c'est bizarre. À votre service, citoyen. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. Mais je parle pas du tout comme ça. Enfin, personne parle comme ça, d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fisk sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. Oh, et doucement. Je suis pas le vrai Spider-Man. En tout cas, plus pour longtemps. Ah, d'accord. Il est temps de rééquilibrer les choses. Paf. Oh, quel talent. Il en avait plusieurs. Je m'en occupe. Attends. Je peux enfin faire équipe avec le Mad Spider-Man. Pas question. Ah, c'est mon fan en fait. Tu te débrouilles pas mal. Ceinture noire. Enseigne dodo de Shikara. Je voulais seulement aider à entretenir la légende. Ouais, mais en t'habillant comme moi, tu hérites de mes ennemis. Et crois-moi, j'en ai des tas. Attention, il y en a d'autres. Je m'occupe de ceux qui sont armés. Occupe-toi des autres. Ils sont où les méchants? Voilà. Ah non. Je les vois pas. Y'a des gens armés apparemment, mais je sais pas où. Tu là. Tu sais, si tu veux aider ta communauté, y'a un refuge du Fist pas loin. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de recevoir des cours de self-défense. Bonne idée. Je commence à réaliser les inconvénients du costume. Ah bah oui, c'est non létal. On vous le dit depuis le début. Mais alors du coup, Spider-Man, il a jamais tué personne dans sa vie? Oh, je pense que si, il a déjà dû tuer des gens. Sans le faire exprès, mais... On est oui, ça a dû arriver. Ah, c'est un malentendu. Méchant. Oh, wow. Oh non, non, ça c'est pas juste par contre. Je suis pas d'accord. Ok. Waouh, ce truc de dingue. Et de comment vous faites ça? Au coup par coup. Écoute, c'est bien de vouloir aider les autres, mais si tu continues comme ça, tu vas te faire tuer. Ouais, j'ai vu. Eh ça. Oui. Pas de soucis. Pourquoi j'ai pas de costume de Spider-Man pour faire un cosplay pendant le stream? Super. C'est ça qu'il faut que j'achète. T'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Eh, hey, c'est un bon slogan ça. Je m'en souviendrai. Et donc ça c'est cool. On a fait la mission annexe. Ah, par contre, là il y a une planque de Fisk, c'est relou. Putain, il y a des tas de trucs à faire en fait. Il n'y avait pas tout ça hein, au début du jeu. Maintenant, il y a tous les bâtiments à prendre en photo. Ah, les bâtiments à prendre en photo, ça va être relou. Hein. Ça va être relou. On dirait que cette zone-là, elle est finie complètement. Maintenant, il y a des trucs verrouillés.
Peut-être encore des choses. Je ne sais pas. Ah, crime du démon et crime de malfrat, c'est pas les mêmes choses. Ah, ok. Ah, du coup, ça rajoute des crimes à faire. Ok, ok. Et j'ai presque envie d'essayer de finir toute cette zone-là, quoi. Pour voir. Mais bon. Ça va être chiant, hein. Ça va être chiant, ça va être chiant. On va faire la quête principale, là. Pour le moment. On verra après ce qu'on fera. On va faire le 100% ou pas. On va le platiner, le jeu. Je dis ça, mais... J'ai aucun platine. Ah si, j'en ai un. Il y a plein de jeux que j'aurais bien aimé platiner, mais ça prend tellement de temps et pour des trucs un peu chiants à faire, quoi. Du coup, bon, voilà. On pourrait le faire, mais on préfère jouer à un autre jeu. Ouais, en vrai, c'est un peu nul, hein, un platine, mais... Quand je vois, certains, ils platinent tous leurs jeux. Et ils en ont beaucoup, quoi. Et ça me fait flipper, quoi. Je sais, même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Il y a un crime à... Allez, je vais le faire. Dans le coin. Bien. Ça m'étonnerait que ces types échangent des cartes de baseball. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. T'as qu'à me déposer à la prison ? Dis ça comme ça ! Oh, il y avait qu'un gars dedans. Oh, ça... C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ça y est, la police est en route. Et moi aussi, du coup. Ouais, Dragon Quest 11, il doit pas être très dur à platiner. Enfin, après, c'est vrai que c'est dur, c'est long, c'est très long. Ouais, voilà. Et pareil, King Kingdom Hearts 1 et 2, ça va être pareil, ça va être bien bien long. En plus, les versions PS4, comme il y a les jeux annexes, il faut faire les jeux annexes aussi pour faire, écoutez-moi, faire le platine. Les démons s'en prennent à toutes nos planques. On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle, mais personne touche à ses affaires. Aigle 2 au rapport, RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celle des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Ok, commençons par les snipers. Il y en a un dans le truc là-bas. Il y en a un là aussi. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Je peux pas monter là? Bah non, mais. Bah, c'est naze. Parce que je sais pas quoi ce tunnel qu'ils essaient de condamner. Et où est-ce qu'ils mènent? Ya. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, attends, je peux faire comme ça. C'est quoi cet endroit au juste? Ça fait un bail qu'aucun bateau est passé par ici. Alors toi, t'es vraiment pas fino. C'est un vieux repère de contrebandier. Ah ouais? Cool. Avec le tunnel, il y a quelque chose de mec. Monte à l'échelle, mais sans l'échelle.
Voilà. Lui, c'est fait. Alors, ouais, je sais pas, en vrai, est-ce qu'une araignée, ça sait nager? C'est une vraie question. Hein. Bon. Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Merde! Ah bah c'était pas la discrétion hein. C'est du résistant lui. Eh bah c'est lui, c'est lui, oui c'est moi. Eh bien que c'est moi. Wow. Wow, ouais je peux prendre cher hein, je crois. Oh, la palette Europe dans la gueule. Moi j'ai fait une erreur, jamais de la vie. Oh ça fait trop mal. Je voulais tuer les snipers. Raté. Ah y'en a qui flottent c'est vrai. Du coup est-ce que moi je... Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. J'ai toujours appelé ça des araignées d'eau. Il y a des snipers partout. Mais je suis pas sûr que ça s'appelle vraiment comme ça. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de poils lancés au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Il parle encore de matos. Qu'est-ce que Fisk peut bien garder ici? J'ai hâte de tester ces nouvelles balles. Ah, pas mieux comme ça. Là voilà. Il y en a un là-haut. Ah. Ce chantier naval est un vrai champ de mines. Il reste tout un tas de pièges. Si Fisk tient tellement à condamner ce tunnel, je devrais y jeter un œil. Voilà, donc ça déjà. Un problème en moins. Je crois qu'il n'y a plus de. Plus de sniper. Lui, il a l'air d'être tout seul. Ah non, il est pas tout seul. Désolé, je peux pas me déconcentrer. Imagine que les démons débarquent pour essayer de forcer la chambre forte. On doit condamner le tunnel en dessous de nous. Oups. J'ai fait une fausse manip. D'accord, ok. C'est bon. J'ai attiré l'attention que les deux là. Oh ça va. Ça va, ça va. Ah non, il y en a d'autres qui bougent un peu, qui se sont dit qu'il y avait du bruit bizarre. Oh le héros, tu se caches comme un lâche. Vas-y, viens, je t'attrape toi. Je peux pas?
vérifie. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Nom de... Spider-Man est là. Pas vrai. Spider-Man n'est pas là. Spider-Man est ailleurs. Ah. Alors... Il est là tout seul, lui. Ensuite, là-bas, c'est un peu plus... Merde, je l'ai pas vu. Je l'ai vraiment pas vu arriver. Ah bah lui par contre il a vu quelque chose. C'est quoi ça? Des beaux rêves. Hey. Il m'a vu. Oh, je suis le Spider-Man le plus discret de l'histoire. C'est tellement con. Voilà, il reste qui? Il reste plus que des gens là-bas. Bon bah du coup, ça doit être faisable sans trop de problèmes. Ah lui, je peux l'attraper sans danger. Vous avez entendu? Ne ronfle pas. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, tant pis. Je laisserai rien passer. Tout seul mon gars. Voilà, discrétion max. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom? L'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon... Spider-Man. Pour une entrée, c'est ça? Une entrée. Hop. Non, pas dans l'eau. Bon, l'avant est bien verrouillé, mais je suis sûr que le reste est beaucoup moins. Je vais. Ah tiens, il doit y avoir une... ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Je croirais dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée?
Y'a pas de méchant là? Viens. Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. Pistolet paralysant vous permet désormais de fabriquer la toile électrique. Sur la toile électrique. Ah, faut que je le fasse, d'accord. Je le fabrique. Incroyable. Du coup, c'est là, faut appuyer. La toile électrique. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ça a marché? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Oui, c'est pas la bonne boîte, c'est pas la bonne boîte, hein, voilà. Pour une boîte, je tire dedans. Comment je pouvais savoir? Oh, ça c'est la bonne boîte. Cramé. Ligne rouge. Jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. Ah, un coffre-fort. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Y'a rien dans le coffre. Ah, oh, la déception. Bon bah alors du coup Il y a une porte donc ici. Donc je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Effectivement. Hadouken ! Quoi ? Merci pour le follow Où il pourrait Nanali. Encore y avoir des marches. Je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas merci à toi. Et bienvenue. Nanali, c'est ça me rappelle, c'est dans... Oh, comment ça s'appelle? C'est pas dans Code Geass qu'il y a un perso qui s'appelle comme ça? Qu'est-ce que ça donne? Rien. Malheureusement. Ah, une porte secrète. Non. Jackpot. Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Jamais vu Code Geass. Ah, franchement, c'est trop bien. Il faut que je le finisse parce que j'ai vu la première saison, c'est tout seulement. L'ascenseur est à chef. Bougez pas, je vous fais monter. Et c'est franchement, c'était bien cool. Je conseille. T'intéresse pas? Ah non, c'est clamps, c'est forcément bien. J'aurais besoin d'aide avec l'ascenseur. Ouais, pas de problème. Ah, c'est comme ça qu'on fait monter l'ascenseur. Engrenage rouillé et gros rat des dieux. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Pourquoi je m'emmerde avec ce flic là? Je peux pas tout faire tout seul. Bravo, belle réception et tout.
On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Ça s'est ouvert? Non. Cette porte doit être reliée à une autre boîte. Eh bah oui, il y a 50 000 boîtes. J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. Hey, vous voyez ça? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de Fisk parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Oh, il me fait chier avec ses boîtes, lui. Trouve la boîte. M'en fous de la boîte. Casse-moi cette porte à la con. Si j'étais une boîte de raccordement, où je me cacherais? Si j'étais une boîte de raccordement. Vous mèneront dans la bonne direction. Ah. Du coup, voilà. 50 endroits où cacher une boîte de raccordement. Trouvé. Oh, heureusement que je juste pas en dessous. Alors, ouvert. Il va falloir faire autre chose alors. Clair. Ah, j'étais peut-être passé en toile normale, non? Bien vu, Jeff. Ah, une porte voilà. Cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Je peux. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. D'en haut, comment ça d'en haut? Passe en dessous. Passe là. Ah voilà, faut que je passe comme ça. Ah ouais. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? Ah c'est bon. C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok, c'était clairement pas le métro. Non, on aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte, vite. Aide-le pour utiliser. Allez, d'accord. Touchez. Bien compliqué pour pas grand-chose. C'est pas vrai. Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Ou ça l'était. Le matériel non létal les intéressait pas. Ils ont laissé les fumigènes, les grenades aveuglantes, les recharges électriques. Apparemment, ils ont pas perdu de temps.
Il y a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Ils n'ont pas touché à cette salle derrière le grillage. Ça demandait trop d'efforts. Ils ont préféré tordre le grillage de l'armoire des armes. Là, ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut. Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez ! Oh, mais... C'est... tellement what the fuck. Ouah ! À couvert ! Ah oui, c'est vrai, mon. Ah. J'ai ça aussi. En plus, j'ai craqué le truc. Ça recharge tellement vite ma concentration. Merci, c'est pas de refus. Je suis pas tout seul. Je recharge. Je tire. Écartez-vous. Derrière vous. C'est KO. Je suis paralysé. Merde. Deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Vers quoi là? Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Wouh! Je peux pas sauter dessus comme avec les voitures. Ah, peut-être que je renvoie les projectiles qu'ils m'envoient là. Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je m'en approche. Salut! Il reste une petite place. Pourquoi? Terminus! Ah, voilà. Le petit ralenti. Yeah.
je vais. Ah, il remonte le camion citerne à la force des bras. Ça n'a aucun sens. Ça fait Spider-Man. Oups. Oh bah il rigole pas Jeff. Ah moi au boulot j'ai un collègue qui s'appelle Jeff. Et il est pas aussi vif que ce mec là. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle, vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Voilà! Facile! Oh, je suis crevé. Temps de rentrer et de dormir un peu. Oh, level up! Oh, je suis niveau 14! Rotation des dégâts de mêlée. Un point de compétence là, j'ai plein de points de compétence. Incroyable. Ok. Ah, oh, les destinations voyage rapide apparaissent désormais sur la carte. Puis sur croix pour continuer. Maintenez croix au-dessus de l'appartement de Peter pour effectuer un voyage rapide. Ah, ça y est, on... d'un coup, comme ça, ça se débloque, on sait pas pourquoi. Quoi, il prend le métro ? Ça n'a aucun sens. J'ai pas compris, il s'est fait virer de son appart, c'est ça ? Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Six, quatre, quatre, sept, six. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand, pas de problème. Allez, on va récupérer nos affaires là, qui c'est qui a piqué nos affaires ? Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Mon speeder disc ? Ça va pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. C'est important de payer son loyer du coup, hein.
aux États-Unis, ça rigole pas. Tu payes pas ton loyer pendant un mois, et ils prennent toutes tes affaires, ils mettent tout à la poubelle. Et bien sûr, c'est fermé, au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Bah ouais. Peut-être un autre accès. Ça a l'air mal barré. Vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ouais, je suis pas sûr. Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Oh, putain, mais y a rien dans leur camion poubelle. Oh. Ok, là je panique. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super, j'y viens direct. Pauvre, l'autre il doit en avoir plein le cul. Bon, on va à Chinatown. Pas bon ça, faut pas aller à Chinatown. Tous les... Hey, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Larry? Larry, c'est dans les sides. Léo! Léo? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie! Pas de soucis, j'espère que vous trouverez. Ok, les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Ah, il y a un camion là. Incroyable. Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Ben les gars, on peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Go! Je vais retrouver mon speeder disc. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Quoi, il y a bagarre là? J'ai fait monter sur le truc sans faire exprès. Ah, descends. Qu'est-ce que tu fais toi? Tiens. Merci Spider-Man. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Ah. Je crois que c'est ça. Allez, sois ici. Sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, hey, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool.
pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. C'est bon. C'est un moyen comme un autre de me faire débloquer un truc. Explosif de proximité qui entoile instantanément les ennemis qui le déclenchent. Ah ouais. Ça y est. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le. Kimball. Ah, bah oui, forcément. Prenons ça. Mais qu'est-ce que vous fichez? Allez, tuez-le. Arrête de faire le mariole. Voilà, voilà. Cette nuit, il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Oh ouais, comme ça, il va s'inviter chez la waifu. Bon, il a raison, remarque. Je vais lui dire, rentre chez ta tante May, hein, et casse pas les couilles. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. MJ ! Hey, je passais dans le quartier et... Oh non, c'est nul. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire ? On est amis, non ? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Ah bon? Il abandonne comme ça. Ouais, il va dormir où? Il était ici. Je pourrais aller chez lui. Ah d'accord, fin de la mission. Et bon, on dort pas. Puis voilà. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Ah moi je connais pas. Salut Spidey, ça faisait longtemps. Je ne sais pas qui est cette waifu, mais je vais aller voir immédiatement. Oh oui, bah toi l'insomniaque, hein. C'est bon. Attendez, il y avait un truc là-bas. Il y avait une bagarre. Ouais, c'est où? C'est là? C'est pas là? Sur le toit peut-être? Pas trop. Qu'est-ce que tu fais là toi? Et qu'est-ce que vous faites? Mais non! Mais non! Putain, le pire endroit pour combattre quoi!
Méchant là, si? Ah, si, il reste un méchant, pardon. Où il est? En dessous, peut-être? Désolé, je vous ai tombé sur la tête, mais. Fait exprès. Ah, il est là-bas. Putain, mais pourquoi il est venu là? Comment il est arrivé là? Ah, il a dû tomber de là. À 12 ans, on m'avait dit que des types masqués chercheraient à m'exploser au lance-roquettes. Ben, je crois que j'aurais sauté au plafond en fait. Bon, on fait des actions au Scorp aujourd'hui? Ouais, c'est un nouveau record. Ça va monter jusqu'où? High five! Ah, oh, ce type pas. Est génial! Quand Norman aura gagné l'élection, ça va exploser. High five, mon gars. Règle d'or de la gravitation, ce qui monte, voire descend. Je vais aller voir une wife. Il m'avait appelé au téléphone. Black Cat, c'est qui ça, Black Cat? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. C'est la Catwoman. C'est la Catwoman de. Dites pas qu'elle fait du repérage. De quoi? Elle a promis de changer de vie. De Marvel, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Elle veut que je trouve quelque chose. Mais quoi? Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Bah, Catwoman, c'est DC Comics. Comme Batman. Ah, faut retrouver les chats, c'est ça? C'est ça la mission? Je vais trouver le chat. Vite, Yuri! Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Ah bah, c'est peut-être. Pas le même chat. Vous pouvez vérifier que ses affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Salut, mais t'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Jaloux que je rende visite à un autre homme. J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Bon, apparemment, elle, c'est un peu une nymphomane, quand même. Mais bon. Je ne sais pas si c'est une voleuse comme Catwoman. Pas trop. Ouais, je suis vachement loin. Vu que je vois un truc à cette distance. You, petit chat. Ah. Ah, ça vibre. Aïe. Ah, encore un chat. Pourquoi tu fais ça, Felicia? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Elle s'appelle Felicia. Elle s'appelle Felicia, comme le perso de Capcom. Et aussi un petit chat. C'est lié. 2 sur 12.
Bon, on va trouver tous les petits chats du coup, non? Alors, oh, c'est cool comme mission. Il y en a là. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adrian Toomes, alias Vulture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du Raft pour être traité, ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raft? C'est une prison de très haute sécurité, bourrée de psychopathes. S'ils tombent malades, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez pour ma feuille d'appel. On va s'accrocher à un hélico. Merde. Oh, que... Encore une caméra. La cat a l'air de bien s'en sortir. Oh, pauvre Spidey. Je sais que je t'ai déçu quand j'ai replongé, mais c'était dommage de gâcher un tel talent. C'est quoi son talent? De... prendre une voix sexy? On dirait qu'ils vendent des vins d'exception ici. Elle se diversifie. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Une voleuse, c'est quoi? On sait pas. Moi, je connais pas Black Cat. Ça, par contre, ça, c'est un truc. Ah, peut-être que... j'allais dire une connerie. C'est peut-être dans collection, peut-être. Non. Ah, personnage. Voilà, bah, peut-être qu'on va avoir des infos. Ah, ni même pas. Bah, voilà. Elle y est même pas, Black Cat, dans le votre truc nul là. Sans doute un perso trop secondaire, je ne sais pas. Bon, on fait tous les petits chats. Hein. Précision du saut. Ces caméras sont pas données? Si Félicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner? Une bonne question. J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Ah, là. Trouvé. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Okay. Eh bien. Black Cat est vraiment très joueuse avec moi. Ok, il y en a un là. Et... il y en a un peu partout dans la ville, quoi. Ok, go. Ça devra aller vite, hein, quand même, à faire comme mission. Moi, je trouve ça plus sympa à faire que de faire les missions de monuments là. Il faut... Rendez-vous sur le côté.
Kat est passée par ici. Elle faisait ça aux personnes la première fois que je l'ai attrapée. Ou je devrais dire qu'elle m'a attrapée. Ça peut pas être juste une drague un peu sophistiquée. Elle connaît pas les applis ? Elle cache quelque chose. Ah bah c'est là. Je t'ai trouvé. C'est le domicile de Tystone. Il est rempli d'œuvres inestimables. Tu joues avec le feu, Felicia. Tout à fait ton style. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Change un peu. Mais le truc de faire des photos de tous les monuments de la ville, ouais, c'est relou. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu chiant. Je le ferai, hein, mais pour le moment, j'ai juste pas envie. Bah là, du coup, il y en a un là. C'est le plus proche. Hein. Cette zone-là, j'ai dû tout défaire. C'est où? Ah, c'est là comme ça. Ok. Felicia croit qu'elle joue avec moi, mais j'apprends quelque chose à chacune de ces scènes. En plus, en général, t'as vu, il y a toujours le... Ah, j'imagine que c'est elle, un Black Cat. Toujours une image. Encore un chat. Un grand avocat vit ici, je crois. Doit chercher de nouvelles cibles parmi ses clients. Ça me fait mal de le dire, mais elle est sacrément futée. Ceci fait. Alors je me demande si c'est une voleuse ou une prostituée, hein, Black Cat, on sait pas trop. Pour le moment, c'est pas clair. A l'air bien occupée, mais je la suis de près. Voyons où elle a frappé cette fois. Petit cochon. Trouvé. Chez Cornelius Van Lund. Elle s'attaque à des pièces uniques. Elle travaille forcément pour quelqu'un. Sinon, elle volerait que de l'argent. A priori, c'est bien une voleuse. Sont jamais clairs ces filles-là. Ah bah. C'est ça qu'on aime, c'est le mystère, évidemment. Les démons qui braquent un véhicule blindé, sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile ? Un papa démon trop présent ? Une maman démon négligente ? Une maman démon. Oh non, pas les balèzes. Ah, les balèzes, je les aime pas. Ah, c'est bon, j'ai...
C'est mal. Et nique-toi, toi. On roule avec ta mitrailleuse. Ces gens auraient pu y passer. Je dois arrêter les démons avant qu'ils ne fassent des morts. Je crois que j'étais en train de faire le petit chat. Tu dois sûrement te demander pourquoi j'ai replongé. Ma petite vie modèle a fini par m'ennuyer. Je cible les 50 millions. Un joli chiffre rond, tu trouves pas? Il y a pas 50 000 trucs, hein. Alors... Ah, il y a un chat. Mais ça n'a pas l'air d'être là. Merde, genre. Ah. C'est dans cette zone là. Ah, voilà, je vois les, je vois elle. La poubelle. Je t'ai trouvé. Ah, dans la vitrine. Ça, c'était... C'est pas mal, ça. Si tu m'attrapes avant, je rendrai tout et je ferai une croix sur cette carrière. Mon avenir est entre tes mains, Spidey. Oh là là. Ah, quoique non, celui-là a l'air d'être plus proche. Je vais faire celui-là d'abord. Et là, ensuite, je remonte. Le 1031, un cambriolage a été signalé. Encore. Agent près de Devos. Montez le son pour vos enfants. Ce qui va suivre devrait servir de leçon aux têtes blondes influençables. Mon invité du jour est un homme qui a découvert à ses dépens que se déguiser en Spider-Man, ça fait mal. On vous écoute. Bah, en fait, je voulais qu'on m'assure, mais... Vous irez tous en prison. Oh, la bagarre. Je doute que vous soyez meilleur en évasion qu'en effraction. Ah, là, c'était... rapide, hein. C'est pour moi, tout ce chantier ? Wow, qu'est-ce qui se passe ?
Je suis arrivé là un peu par hasard. Et je trouve que c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Bande d'abrutis. Bébé. Ces démons ont besoin de vacances. Ils sont vachement tendus. Je sais pas c'est quoi les coups de pied latéraux. Ah t'as vu comment il me poutre, en attendant c'est moi qui gagne à la fin. Ah, c'est qui le héros? Ah, j'ai les pouvoirs de l'araignée, personne ne peut m'arrêter. Hop. Bon, j'étais arrivé là un peu par hasard. Félicia aura bientôt atteint son objectif, il faut que je l'arrête et vite. Cet endroit est rempli de types de Wall Street, autant de cibles potentielles. Alors, où est-ce que ça pourrait être? Je vois pas de dessin de chat. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de manger tranquille par le toit. Ça va vibrer. Ça va vibrer donc je dois pas être loin. Ah. Et son image. Ah là. Miaou. Miaou. Elle a l'air de très bien connaître ces endroits. Ce qui me donne une idée de comment l'attraper. Ah bon? Ah bon, ah bon? On va attraper Black Cat. Évidemment. Du coup, on va aller là. Et il en reste plus que deux, je crois. Hein. Ah non, il en reste trois. Il y en a peut-être une que j'ai pas vue. Parce que la dernière, elle est cachée. Oh non. Sous les tirs d'individus masqués. Le signalement a eu lieu à la caserne de Westside. Oh là. Bon bah go. Les démons ne se cachent plus. Ils attaquent la police en pleine rue maintenant. Mettez vos blessés en lieu sûr. Je m'occupe du reste. Oh, les méchants. Ah bah. Ah. Fils qui était fou. Ah bah, voilà. Mais lui au moins, il aimait New York. Les démons, eux, on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. C'était le dernier.
Petit chat. Mes amis, vous savez que j'écoute toujours tous les points de vue. Un officier de police m'a accusé sur les réseaux sociaux de m'acharner sur Spider-Man. La vidéo est devenue virale et les gens ne parlent plus que de ça. J'ai donc accepté d'organiser un débat. Officier, bienvenue. Merci de me recevoir. Alors voilà, moi et mes gars, on était pris dans une fusillade avec des individus qui n'avaient plus rien à perdre. Ils se fichaient qu'on meure tous. Et je vous garantis que ça aurait très mal fini si Spider-Man nous avait pas aidés. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne dis pas qu'il ne fait jamais de bonnes actions, je dis juste qu'il cause plus de problèmes qu'il n'en résout. Vous avez dû faire l'école de police, je suppose. Vous avez suivi une formation approfondie, vous avez des règles à respecter. Bien sûr, mais je pense que lui aussi sait ce qu'il fait. Tout s'est bien passé cette fois. Mais la prochaine fois, comment pouvons-nous savoir si Spider-Man ne causera pas la mort de personnes impliquées? Mais il a jamais causé la mort de personne. Je crois que nous n'arriverons pas à nous entendre. Merci pour votre travail. Allez, au revoir. Gros débat. Félicia essaie de me faire courir, mais c'est ça qui va me permettre de la trouver. En renseignant tous les lieux cambriolés, cet algorithme va m'indiquer un point d'origine possible. Ah. Comme ça, le secret. Ah. Chat. Donc, ça va être dans le coin. Là. Ah. Je suis arrivé trop tard cette fois. Et avec un ou deux cambriolages de plus, j'aurai assez de données pour localiser son repère. Bon bah ça level up en plus. Non c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste la map. S'il vous plaît. Merci. Donc il y en a un là. Ah oui, il en reste deux effectivement. Un là et un là-bas. Ok. Bah go. J'allais pas très loin. À toutes les patrouilles, intervention requise pour des civils impliqués dans un accident de la route. On a besoin d'agents sur place, à Bloomingdale. Alors, moi on m'appelle parce qu'il y a un accident de la route, il y a des camions de pompiers là, ils restent là, ils bougent pas. Hein. Pas très réaliste. Un accident là-bas, pas joli. Il pourrait y avoir des blessés. Oh merde! La voiture va l'écraser si je reste là, rien faire! Pourquoi ils m'attaquent eux? Je suis là. Ok. Au secours, à l'aide. Merci, champion. Moi, je suis avec toi. Hein? Ça s'est réglé. Tout le monde est sauvé. Je peux laisser les pompiers et les urgences faire. Ah, tout le monde est sauvé. Ah bon. Bon, ouais, d'accord. Bah écoutez, c'est un plaisir. Spider-Man. Spider des Day. Wouh! Le petit chat. Félicien approche de son objectif. Et la zone à fouiller est trop vaste. Il faut que je cible ça plus précisément. Ah oui, hein, ça rigole chaque pas. Hein. Compte. Qui elle a volé. D'ailleurs, Spider-Man, il apparaît dans plusieurs jeux de baston. Hein. Oh, je crois que je suis tout proche. Salut, chaton. Ah bah, elle est là. C'est Lonesome Pinky qui vit là. Cambrioler un chanteur de country. Quelle imagination. Mais je me rapproche. Chanteur de country. Et donc, le dernier petit chat qui doit être là. Ce sera bon. Alors en vrai, hein, on veut la retrouver, c'est pas pour l'arrêter. Hein. C'est pour voir à quel point elle nous aime. Ah merde, il y avait un truc là. Bah tant pis. Oh, il y a un autre truc là. Oh, bah il y a des trucs partout.
On s'en fout. Moi tranquille. Merde, je fais encore me. J'ai encore failli me faire exploser par le train. Un dernier cambriolage et j'aurai assez de données pour localiser Black Cat. Et salut à toi, Nounou Poulet. Grosso modo, elle en a déjà dérobé pour 49 millions. Bienvenue. Si je l'attrape avant. Je peux changer de costume, évidemment. Là, je récupère les petits chats déjà et je vais voir. Alors, où est-ce que ça va être le petit chat? Cette zone, ah bah c'est te là. Voilà à toi. Oh non. Easy. C'est la galerie où est exposé le tigre de Jade, qui vaut au moins un bon million. Je dois lancer mon algorithme et trouver Félicia tout de suite. J'ai trouvé son repère. Je dois vite m'y rendre avant qu'elle quitte la ville. Ah voilà. Je dois trouver le petit chat. Alors elle met tout. C'est là? C'est ça la. Le panier du chat, voilà, mission annexe, ok. Et salut à toi, Enzo Lapierre. Enzo Lapierre, pardon. Bienvenue. Ah oui, j'avais dit que je regardais pour les costumes, tiens. D'ailleurs, je dois peut-être en avoir débloqué des nouveaux, je ne sais pas. Les tenues. Tiens, on en a débloqué un là. Bon, on va pas mettre ça, c'est dégueulasse. On l'a débloqué. Pour l'acheter, je pense. Je ne sais pas trop, ça je peux pas acheter. Je peux pas acheter. Ouah, mais ça aussi c'est débloqué aussi. Je l'avais pas avant ça. Ah, ça on l'avait pas avant. Si. Terminer toutes les planques de Black Cat pour débloquer cette tenue. Bah voilà. Ah, on va la débloquer après. Oh là, il est horrible celui-là. De toute façon, j'ai même pas assez de jetons de monuments pour le débloquer. C'est un truc qu'il va falloir que je fasse, hein, les monuments. Hop là. Cyberpunk trop moche, bah oui. Bienvenue dans le. Dans Speederpunk. Le pire truc. Ah, il y a de la bagarre là-bas. Ils vont finir par se faire mal à se tirer dessus. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Ah oui, la mission c'était de jeter des trucs sur les méchants. Allez, faire 20 attaques aériennes, alors c'est beaucoup le 20. Attaque aérienne, c'est mort, je pense. Ouais. Je vais arriver à 13. Je crois que c'est bon. Tout le monde va bien? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés. Eh, merci pour le follow, Nolo Play. Spidey Punk. Merci du coup de main, Spider-Man. Faites bien attention à vous. Ok, donc. Ils sont sûrement pas tout seuls. On était parti pour aller là-bas, nous. Base.
Pourquoi je le vois pas? Ah, c'est là-bas. On va voir quel est ce speeder costume. Ah, du coup, vous avez, à part l'aisance, vous avez tous le jeu. Je sais qu'elle est dans, elle a pas le jeu, mais qu'elle le fera plus tard. Ouais, une piscine! Cool! Et du coup, ceux qui ont le jeu, vous avez trouvé le jeu cool ou... Non, je me suis pas spoil du tout. Je suis pas spoil du tout. Ah oui, bah il aura pas aussi longtemps que Dragon Quest 11, ça c'est sûr. Hein. Pas un RPG hein. Alors c'est là, mais que je fasse quoi? Ah, c'est en dessous. En dessous, c'est en dessous. Peut-être qu'il faut que je passe là. Ah ouais, voilà. Je passe dans le tunnel. Le tunnel de la liberté. Avant que le Fist soit créé, c'était le paradis des sans-abri new-yorkais. C'est plus ou moins désert maintenant. Pas mal pour se planquer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Bingo. Oui, en même temps, c'était pas bien dur à trouver. On dirait qu'il y a tout ce qu'elle a volé, mais aucun signe de Felicia. Les livres de compte des familles du crime de la Magia. Elle essaie de les faire chanter? Felicia aussi. Quoi? Fisk a déclaré qu'on lui avait volé il y a des années. Du vin d'un vignoble de la Magia. Quoi la Magia? Ça doit être la mafia de... C'est quoi ça? La mafia de Spider-Man? Spidey. Tu as tout fait pour me faire changer de vie, hein? T'es adorable et mignon aussi. C'est pourquoi je t'ai préparé un truc un peu plus flatteur. Quoi? Assume ton sex-appeal. Assume ton sex-appeal. Ouah. D'accord. Alors quoi? C'était qu'un jeu de piste, c'est ça? Ok. C'est gagné un trophée. Ouah, stylé. Spider-Man, Black Cat vient de cambrioler la salle d'épreuve du commissariat. Quoi? Comment? Cet endroit est un vrai coffre-fort. Tous ces chats que vous avez trouvés. Quand ils étaient dans la salle d'épreuve, ils se sont connectés pour amplifier leur signal et désactiver les alarmes. Personne ne l'a vu entrer. Elle savait que je trouverais ces chats et que je vous les signalerais. Une fois de plus, elle m'a bien eu. Elle a pris quoi? Son ancien costume et son équipement. Elle m'a laissé pour 50 millions de butins sur les bras juste pour récupérer son équipement? Ce qui veut dire qu'elle a un truc encore plus gros de prévu. Eh bien, chapeau l'artiste. Elle vous a bien eu. C'est un sourire que j'entends. Vous souriez là? À plus tard. C'est un sourire que j'entends. Wow. Rien de bien. La première fois que j'ai attrapé Felicia, c'est ce qu'elle essayait de voler. Apparemment... Elle a fini par y arriver. Ah, un chat qui danse avec une petite araignée et qui l'enferme dans un bocal contre sa volonté. Trop mignon. Ok. Bon bah, du coup, on sort de là-dedans. Au moins, on a débloqué le costume. Alors, qu'est-ce qui fait ce costume, du coup? Est-ce qu'on a... la tenue. Aucun pouvoir de tenue. Ah, c'est dommage. Ah oui, mais du coup, j'en ai équipé un. Donc, c'est bon. Mais du coup, j'ai pas débloqué de nouveaux pouvoirs. Bah, c'est bien. J'aime bien. Je vais le garder, tiens, ce costume noir. Je le trouve sympa. Ok, bon du coup, fini la phase du petit chat. Oh, c'était un peu court, hein, je trouve. Mais bon.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut complètement aller, aller faire la mission principale. Oh non, j'y vais pas en voyage rapide, j'y vais à pied. What? Qu'est-ce qui veut te battre? Tiens. Je devrais peut-être me méfier un peu plus de mes grands fans. Un kidnapping vient d'être signalé. Incident en cours près d'Ansonia. Hey, mince, ça va? Il y a un truc là. L'IA qui est intégrée à ma tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la victime. Ouais, bah tu me parles le meilleur, toi, ok? Vous vous souvenez quand Spider-Man avait un bras droit? Black Cat, une jeune femme plantureuse, tout en cuir. Pas le genre qu'on présente à papa et maman, hein, c'est vrai? Finalement, il s'est avéré que c'était une voleuse. Quelle surprise, hein? Eh bien, il paraît qu'elle est de retour. Permettez-moi de faire une prédiction. Spider-Man va lui donner une deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'il est naïf? Parce qu'il est lui-même un voleur? Ou peut-être parce qu'il pense avec son lance-toile? Spider-Man, je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te prévenir. Comme on dit, on n'empêche pas un chat d'aboyer. Et quoi? Mon stagiaire me crie encore dans les oreilles, pardon. C'est un chien? Je crois que c'est un chat. Ah, puis on s'en fiche, hein? La métaphore fonctionne quand même, non? Des chiens, des chats. Fichez-moi le camp, j'arrête. Petit lapin. Ah, ça serait stylé. On va pas le faire sur la brute, le spécial là. De quoi? Purée, mais. Oh là là, je prends tellement cher. Dès qu'il me tire dessus à la mitrailleuse là. J'ai l'impression d'être un cocon. Non, t'as surtout l'impression que t'es un gros con, moi. Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi il... Tu m'énerves toi avec ta mitrailleuse! T'es triché! D'abord! J'en ai pas moi de mitrailleuse! Y'en aura peut-être, mais. Eh ben, yon. C'est pas glorieux. Ok, donc, mission principale, on avait dit. De base. Heureusement que j'étais là! Ça aurait pu mal tourner. OK. Allez. Dommage, du coup j'aurais bien aimé trouver Black Cat. Elle avait l'air stylé comme perso. Bon, peut-être ils ont pas voulu se faire chier à la modéliser dans le jeu.
trop de polygones pour les boobs. Je ne sais pas. Les cliquettes annexes qui existent, c'est vrai. Dans le monde des aisances, seules les quêtes annexes comptent. Aïe, oui, aïe, aïe, oui. Intervention requise de toutes les unités pour encore le véhicule blindé. Besoin d'effectifs à Gramercy, répondez. Les démons qui... Messieurs, on ne force pas les distributeurs de billets. D'ailleurs, c'en est pas un. On dirait bien que les démons peuvent avoir quelque chose d'énorme. Efficace. C'est efficace. What le bug? J'ai la tête coincée dans le plafond. Quoi le truc vert là? À toutes les unités, agents pris au piège par des individus masqués. Oh non! Oh non, j'en ai marre, je vais faire la quête principale. Ils ont qu'à se débrouiller les flics, hein. Y'en a marre, je peux pas être partout. Bah. Alors, ah bah c'est là. Hop. Ok, il est... La bonne app du coup. Oui, il est déjà 14h quoi. Alors aujourd'hui je fais pas live trop tard par rapport aux autres jours. J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. J'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais du faire coup, un peu plus attention à ma santé. Voilà, je pense que vers 3h par là je m'arrêterai. Enfin, déjà pas mal. Alors, je dois aller où? Je dois aller... Ouais, tiens, je peux leur parler, ouais. Vous jouez encore à ce temps-là? J'étais chauffeur routier avant de perdre mon appart. J'aime le calme de la nuit. Ça aide à penser. Mais pas à mieux penser, vu ton jeu. Mon mari ronflait beaucoup. Je dormais presque pas. En tout cas, c'est bien que vous soyez pas seul. C'est mieux que rien. Et encore. Allez, passez une bonne nuit. Il faudrait que je vérifie, mais... Je suis quasiment sûr que... Les... Comment? Les pièces, elles sont dans la même position à chaque fois que tu viens. À mon avis, il hein. Faudrait vérifier, mais bon. Je croyais que t'étais au lit. J'aimerais bien. Ok, donc on va aller dans le bureau. Bureau qui est à l'étage de mémoire. Non, là c'est le bureau de... De Monsieur Lee. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là si tard? Je fais ce que je veux. J'espère que le canapé est confortable. Tu me manques. Oncle Ben. J'aimais beaucoup les chevaux. Comme tout le monde à un certain âge. La tronche. J'étais une vraie tête à claque. Ouais, du coup, on squatte le canap.
Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Alors... Ah, voilà. Alors, je sais pas si c'était une blague, mais déjà, voilà. Hé, hey, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Mais Ouais, c'est devenu viral. Et quoi ? Osborne, le maire, oh, c'est le premier ban que je fais de toute ma vie sur le stream. Hey, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cette après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Le mec, il arrive, il dit même pas bonjour, il spoil ce qui est vraisemblablement la fin. Voilà, mais et merci, quoi. Hey, petit, qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit ? Mec, ils ont vraiment rien à foutre de leur vie. Trop clair. Où j'ai mis mon masque ? Bon, non, je deviens pas fameux, c'est juste les gens qui sont de plus en plus cons. Ça, c'est tout. Tu vas te taire, oui. C'est... Bon, c'est un peu triste, hein, mais... Du coup, je l'ai banni. Voilà. De manière définitive. Je ne sais pas qui est cette personne, mais bon. Et voilà. C'est moche, hein, quand même. Ah, c'est chaud. Ça m'a un peu agacé, là. Ça m'a un peu agacé. Ouais, mais jusque-là, j'avais été pas mal épargné, quand même. Je veux dire que jusque-là, je m'en sortais pas mal. Au niveau des débiles. Et du coup... Y'a pas de mission principale, là ? Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Ah, il y a une quête annexe, là. C'est quoi la quête annexe ? Aider Howard. Howard. Ouais, on va faire ça du coup. Ouais. Après, tu peux avoir beaucoup de viewers et après tu mets des modos quoi. Mais pas bref. Howard. Voilà. Ça faisait un bail. Comment va Pidgey ? Il est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la ouais, après, je veux pas 50 000 viewers, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, on va pas se mentir. Alors on a dû se reloger. Ne serait-ce que. Le temps de se voilà. Ce serait plus désolé. Agréable de streamer avec, avec des gens avec qui parler. Ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'est retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi ? Je bouge pas mal dans le coin. Ouais, voilà. Vous entre 10 et 50, si c'est bien. Au-delà. Sûr que c'est un peu le bordel. Je vais sur des streams où il y a
Oh putain, faut... c'est quoi? Faut attraper des pigeons? C'est sérieux? Oh merde. Ah la mission. La mission de l'angoisse. Ah du coup, là je suis où? Là je suis là. Donc. Est-ce qu'il y a... Ouais, je vais les tester, on va voir. Ce que... Vous feriez ça? En quoi ça consiste? Oh merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler? T'inquiète, je t'appelle. Je l'attrape, je le fais cuire le pigeon. C'est vrai que c'est très bon. Mais bon. Pas les pigeons. Pas les pigeons que t'as envie là. Ça bouffe toute la merde, hein, les pigeons. Enfin, en vrai. Salut Jeff! Félicitations pour la cérémonie! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Par quoi faut l'attraper? Il paraît que des démons s'achètent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Oh, en fait, laissez tomber. Voilà. Ah, okay. Je l'ai attrapé, ok. Jeton de recherche x 1, d'accord. Bon, pourquoi? On va faire les pigeons, c'est rigolo. Hey Howard, je crois que j'ai trouvé un des cousins de PG. Il a des taches grises, et je crois qu'il vient de tacher ma tenue. Clarence, un vrai petit loustique, doublé d'un charmeur. Tapotez-lui la tête et orientez-le vers le fist. Il trouvera le chemin. Pas de problème, je ferai pareil pour les autres si je les vois. Tapotez-lui la tête. Me chier dessus. Désolé, j'ai pas le temps de pour le cambriolage, je suis en train de rattraper des pigeons. Un nouveau message de Doc? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard, même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher, le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Et du coup, ouais, ça y est, du coup, maintenant j'ai une mission principale qui est revenue. Voilà un pigeon! Il prend la fuite! Il part pas où? Oh là-bas. Je te tiens! Rapide! Du coup, en plus, ces jetons de recherche, là, ils sont cool pour les tenues. On va débloquer des tenues par la suite. Ok, let's go. Ah, hop. Tiens, aïe. Ça doit faire mal. Bah oui, c'est les pigeons, c'est le plus important. Tout le monde le sait. Je dois prendre en photo. Ah, c'est ça. Ouais, c'est la guerre, j'ai l'impression. C'est quoi la menace masquée? Mon frère va se faire vite.
démons sont plus dangereux que Fisk l'a jamais été. Les enfants, puisque vous n'êtes pas gentils, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Ah. Oh, efficace, hein, ça c'est. Ah, y'en a l'autre. Wouah! Il a pas le droit. Wouah! Mais il est surpuissant, lui. Il aimait New York. Les démons, eux, on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. Bon. J'étais en train de faire des pions. Ah ! Il y a un bâtiment à prendre en photo, là. Elle est bonne ? Simone, elle est bonne. Voilà. Les dégâts faits au bâtiment. Ah, je t'avoue que j'ai pas fait très attention. Oh, il y a encore un truc là. Oh là. Quel enfer cette ville. La bagarre à tous les coins de rue. C'est pas l'air d'être là, peut-être sur le toit. Ah bah oui, effectivement. Oh la vache! Des roquettes! Ils ont des roquettes! Ah, il est pas rechargé mon super... Merde. Voilà, ça c'est bien. Le mec il s'est pris pour Captain America avec son bouclier. Bon, voilà. Ça fait tellement le taf là le drone. Ils ont besoin de vacances. Ils sont vachement tendus. Ils sont vachement tendus. Ethan. Franchement, j'irai pas en vacances à New York, hein, vu comme ça a l'air d'être la bagarre à tous les coins de rue. Un pigeon d'Howard. Viens là, petit pigeon. Ah non, 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 non. Non, parce que y a le bon et le mauvais chasseur. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Putain, merde, il fait les blagues avec les blagues des inconnus. Le bon et le mauvais chasseur. Ah, c'est bon. Ça te parle pour plutôt calme. Encore un affrontement entre Spider-Man et les. Un cadeau du patron. Oups. Pourquoi vous m'attaquez, vous? Je vais vous détendre, les gars. Ah, t'es encore en vie, toi? Bon, me méfier un peu plus. Patate. Du coup. Oh, y'a encore un truc là. Sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile? Un papa démon trop présent? Une maman démon négligente? Non!
On dirait que les démons cherchent un sacré financement. Ok. Yo, petit pigeon. Ah, il est là. Un peu relou, hein, les pigeons. Ils ont mis peut-être un poil trop de collectibles, hein, quand même, dans le jeu. Bon, après, ceux-là, ils sont rigolos parce que, bah voilà, c'est des trucs qui sont en mouvement, donc. Ça rappelle un petit peu les notes de musique dans Assassin's Creed. Je crois que c'était le 4. Je suis même quasiment sûr que c'était le 4. Je te tiens. Ouais, c'est clair, c'est vraiment cool. Spider-Man, la volière se remplit. Rosa vient de rejoindre ses frères et sœurs au bercail. Content de vous aider. Vous les connaissez bien, ces petites bêtes, on dirait. Ça avance. Sandra les a toujours connus mieux que moi, bien sûr. Sandra ? Oh, ma femme. Eh bien, félicitez Sandra pour ses oiseaux. Oh oui, d'accord, Spider-Man. Merci encore, et s'il vous plaît, continuez de chercher. Mais du coup, tout le monde a le numéro de Spider-Man, en fait, en ville. Le flic qu'on a aidé tout à l'heure, il a mon numéro. Le SDF, il a mon numéro. Bah bref, c'est... Alors bon... Je n'ai pas vraiment de soucis avec le fait que les gens m'appellent, c'est pas tellement ça, mais pour un mec qui veut rester discret et qu'on le retrouve pas, pour pas qu'on sache qui il est, c'est un peu. Un peu pas prudent, l'histoire. Bon, moi je dis ça. Un petit coup d'annuaire inversé, et voilà, tu sais le nom de Spider-Man. Quoi. Oh, les 900 Korogu, jamais je fais ça. Hein. Les Korogu. En plus, je crois qu'ils en ont rajouté avec les DLC. Je crois qu'il y en a plus que 900 du coup. Pas sûr, mais. C'est logique. Force pas les distributeurs de billets. D'ailleurs, j'en ai pas un. C'est tellement la violence. Bien que les démons préparent quelque chose d'énorme. Il se passe quelque chose au chantier de Fisk. Il faut que je pense à aller vérifier. Sans doute élégance. Mais enfin, bon, c'est un peu... Si t'es flic et que t'as son numéro... Tu dois avoir les ressources pour le retrouver. Moi je pense... Mais bon... Voilà un pigeon. Ah, c'est parti. Alors qu'est-ce qui dit le jeu? Ah bah oui, c'est... Personne ne va filmer ça. C'est un jeu Sony, ça, c'est vrai. J'allais dire qu'est-ce qui édite, mais oui, c'est forcément Sony qui édite le jeu. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que Spider-Man c'était Activision qui avait les droits de Spider-Man. Okay.
Ça, ce pion là, c'est fait. Je sais pas, j'en suis. Je sais pas combien il y en a d'ailleurs, les pigeons là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 à faire. Il y en a plus que des Black Cat, je pense, du coup. Et j'imagine que dans les tenues, il va y en avoir une spéciale pigeon là. Ah non, ça a pas l'air. Alors ça, je peux toujours pas. Il faut un jeton de base. Ah oui, il faut que je fasse les bases. Ah, elles sont bien les deux là. Costume négatif. Ça c'est acheté, ça c'est acheté, ça c'est achat impossible. Ah, celle-là elle est stylée aussi. Franchement, les tenues elles sont cool hein. Pire que les touristes. Les tenues elles sont cool. Ouais. C'est vraiment toi ? C'est vraiment lui ? Allez go. À toutes les unités, un véhicule est pris en chasse. Incident en cours près de Longacre. Terminé. Vous conduisez un véhicule volé. Est-ce que Klaxon joue la cucaracha ? Comment c'est fini? Ah ouais, c'est un mec. Ça doit être pour ça qu'on parle de crime organisé. Tu es con. Oh merde! Ah putain, j'avais réussi à faire un sans faute là. Ouais, ouais, c'est mort. Oh mais niquez-vous hein! M'énervez. Oh là là. Eh, ils trichent! Ils sont deux gros balèzes! Ah, je les déteste. Voilà. Faire ça, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ah, c'est beaucoup moins rigolo comme ça. Bande de sacs. Ok. Bon. Du coup. Le pigeon. Le pigeon le plus important. C'est pas interdit par la loi. Franchement, j'en sais rien. J'avoue, et les ans, je ne sais pas. En France, c'est possible. Bon, aux États-Unis, tout est possible. Hein. Les États-Unis. Voilà. Quand tu vois les voitures tunées qui montrent dans les émissions, c'est les voitures américaines et tout. Oh merde, encore. Hein. Tenez bon. La cavalerie est au bout du fil. La cavalerie arrive! C'est All Might! Alerte aux pigeons! La chasse est ouverte! Comment j'ai pu perdre face à un pigeon? Je suis pas en train de poursuivre le pigeon là, alors laisse-moi tranquille. Un pigeon de Ward. Ah, c'est parti. On s'en fout du pigeon là, on est en train de faire autre chose. Ah putain, encore des méchants. Laurel. Oh non, pas eux.
Ah les gros balèzes là, je supporte pas. Mais laisse les pigeons tranquilles. Ah il m'énerve avec son pigeon. Je suis en train de faire autre chose que le pigeon là, tu vois bien. J'ai pas dit mon dernier mot. Espèce de... Allez, retourne pigeon. Reste là, je te ferai pas de mal. T'es encore mort, lui. Oh la vache. Mais non. Je l'ai perdu. Ah purée. Les gros balèzes là, ils sont horribles. Ouah, j'avais pas vu les emotes. Oh, trop stylé. Ah, moi aussi je veux. Moi aussi je veux les emotes All Might. Ah. Et du coup, je sais même pas où je suis revenu là. Voilà un pigeon. Ah bah. Viens là, petit pigeon. Du coup, ils ont considéré que le crime en cours était fini. Je sais pas, je sais pas trop. Je suis foiré. Ouah, il passe par où? Putain, salaud. Ah. Ok. Ah, il y en a un autre là. Quelle composition sans vouloir me montrer. Ça y est, des monuments partout. Oh mais il est où lui? Pokurimyo. C'est cher hein, 5$ pour un pour mettre une emote All Might. Surtout pour un channel que je ne connais pas. Ouah, celui-là il est. Ouah, c'est la ColecoVision hein, en face. Un pigeon de Ward. Il prend la fuite. Ouah! Ce pigeon connaît mieux la ville que moi! Ouah, il a l'air chaud celui-là! C'est bon. On ramène à la maison! Oh, pardon, excusez-moi madame. Pas fait exprès. Ouais d'accord, qui fait des dessins. Et du coup elle est japonaise ou... Ça pourrait m'intéresser comme live mais... Mais bon... Si je comprends rien de ce qui se dit, ça va m'énerver. En anglais encore je peux comprendre mais... Jap c'est mort. Pas y mettre, hein. Et salut Ozzy. Oh, je fais n'importe quoi. J'ai lu le chat en même temps. Elle est à moitié jette.
Oh tiens, il y a une petite photo à prendre là. Je pense que c'est ça qu'il faut que je photographie. Bien celle-là. Hein, c'est pas ça? La tour Fisk. Ah ouais. À leur place, je réfléchirai à un autre nom. Alors je prends les photos de monuments, tout ça, quand je passe devant. Histoire de. C'est pareil, c'est les bases là qu'il faut que je fasse. Ah bon, les bases. La chasse est ouverte. Oh là, c'est mal barré. Vas-y. Va plus vite, Peter Bidule. Rien de tel qu'un lance-roquette pour se réveiller. Ah, y a un mec qui me lance des roquettes. Pourquoi faire? Pourquoi il fait ça? C'est moi, je suis en train de poursuivre un pigeon. Ah non, c'est reparti dans l'autre sens. Ah, je comprends rien, il fait des zigzags. T'es où? Je vais devenir pigeon man. Ah, il a ralenti. Ah là, c'est bon. Pas trop lisons. J'adore ces noms. Est-ce que Sandra est contente de les retrouver? Eh bien, en fait, elle n'est plus des nôtres. Vous comprenez, le cancer. Oh, Howard, je suis désolé. Oh, ça ne fait rien. Ah non, je voulais pas faire ça. C'est pas fait pour blanchir. C'est la première chose qu'elle m'a dite quand on l'a diagnostiqué. Ça me fait du bien de m'en rappeler de temps en temps. Tâchez de retrouver les autres, d'accord? Ces oiseaux représentent beaucoup pour moi. Merci, Spider-Man. Bien sûr, j'ai que ça qu'à foutre. On décolle. Exagère un peu, Howard. Hein. Attention, un cambriolage vient d'être signalé. Oh. Le signalement a eu lieu à Monk Park, terminé. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Je fais les pigeons. On a dit qu'on faisait les pigeons. C'est dommage qu'il n'y ait pas une tenue de pigeon. Pigeon man. Bon, il y a déjà une tenue de punk, tu me diras. Peut-être pas abusé. Pigeon de Ward. Ah, c'est parti. Oh la chier. Au fait, les pigeons mangent des araignées? Ah, bonne question. Est-ce que les pigeons mangent des araignées? Truc à manger qui est arrivé. Du coup, bah c'est bon, on commence à être bien là, niveau pigeon.
pigeon. Allez, pigeon man. Il prend la fuite. Je te ramène à la maison. Voilà. Ok, il en restait plus que deux du coup. Donc il y en a un là et un là-bas. Ah bah très bien. On aura fait dans l'ordre. C'était rigolo. Une petite mission. Ça se trouve, je vais faire cela, puis après il va me dire, mais j'en ai perdu 24 autres. Merde. Messieurs, on ne force pas les distributeurs de billets. D'ailleurs, on n'est pas un. Ah, je déteste les gros pavots là. Pas mort. Et voilà. Et voilà. Ah, tu vois. On dirait bien que les démons préparent quelque chose. Ça va en enfer. Je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Non, 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 je veux pas faire ça. Mais ça travaille pas des masses. En apparence. Non. Cherche juste à rester discret. Je vais creuser la question. Bon, bah, faut le faire, alors, du coup. Putain, je voulais pas faire ça. Oh, je comprends rien. J'ai un mauvais pressentiment. Faites venir. C'est Spider-Man. Vous savez quoi faire. Il peut rien faire parce qu'il est en l'air. Ça va être calmé. Comment on fait les désarmements? Oh la vache. C'est maintenant qu'on arrive. Je vais devoir distribuer des billets de retard. Montre-moi ça. Je peux pas les laisser nous battre. C'est vraiment pas ton jour. Ah.
Voilà les renforts. Et pourquoi moi j'en ai pas des renforts? Ah oui, c'est vrai. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Logique. Spider-Man, d'après mes sources, des armes plutôt exotiques transitent par ce site. Des explosifs, des lance-roquettes, etc. Fisk arrive à récupérer du matériel réservé à l'armée? Il faut tout faire pour que ces armes n'entrent pas en circulation. Quoi? Des renforts! Vous savez, il y a d'autres manières de soutenir vos camarades, en leur criant bon travail par exemple. Je prends tellement cher. Je ne sais plus comment on les désarme. On a dû le dire à un moment. Allez, c'est pas ça que je vais faire, j'espère. Je maintiens triangle. Ah ouais, d'accord. Merci. Désolé, hein, j'ai un peu de mal à lire le chat quand je fais la bagarre. C'est touchant. Vous tenez vraiment à rejoindre votre chef en prison. Oh merde. Ah merde! En plus, au moment, à ce moment-là, il me dit pouvoir de tenue prête. Et ben non. Du coup, on recommence du début. C'est pas déjà ce qu'on fait là? Te méprends pas. Il a toujours des ressources. Juste qu'on fasse plus attention. Pour moi, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. De montrer qu'on peut gérer des gars. Pas bête. Quand le boss sortira, s'il sortira, les gars qui auront bien bossé seront récompensés. Et ceux qui n'ont pas assuré, ils seront virés si j'ai pas... Les dodo. Oh non, il est là. Qui c'est? C'est pour ça que je suis allé à la fac. Je t'ai vu. Bon, ça, tu m'as vu. Voilà ce qui arrive. Oh, puis merde. Regarde. Mal barré mon histoire. Non mais... Putain. Ah.
C'est maintenant qu'on arrive. Je vais devoir distribuer des billets de retard. Putain, fuck. Voilà les renforts. Et pourquoi moi j'en ai pas des renforts? Ah oui, c'est vrai. Personne ne m'aide. Tiens, coupe-moi ça. Spider-Man, d'après mes sources, des armes plutôt exotiques. C'est mal barré. Des explosifs, des lance-roquettes, etc. Oh putain, mais les roquettes, c'est abusé les roquettes. Pas désarmer les lance-roquettes. Arrive pas. Ah, c'est bon. Le pire combat d'histoire. Et c'est gagné quand même. Ah là là. Ouais, je sais qu'on peut faire une élimination discrète, mais. Avec votre costume rouge, vous êtes pour moi ce qui ressemble le plus au Père Noël. Merci. Il est pas rouge mon costume, il est noir. Grave erreur. Bon. Au départ, j'étais juste parti pour faire les pigeons. Je me suis retrouvé là, je ne sais pas pourquoi. Bah d'ailleurs, il n'y en a plus de pigeons. Ils sont où? Ah si, ah, voilà. Alerte aux pigeons! La chasse est ouverte! Hé, hey, attends! Ah, si seulement je parle les pigeons! Il est con! Bon, je vais passer par là, ce sera plus simple. Pas plus court.
Il y a la surprise. Ah, je vais galérer à le récupérer celui-là, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Ah non, je l'avais. Pas chaud. Ah. Tiens, pour la peine, je prends une plaque d'égout. Et il en reste un, du coup, qui doit être en haut à gauche, ouais, c'est ça. Ah. Quelle heure est-il ? Il va être 3h, je présume. Je vais tarder à m'arrêter. Ouah ! Je vais me faire zigouiller par un putain de taxi. Sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Tenez bon! La voiture va l'écraser si je reste là à rien faire. Il est où l'autre? Ah, il est là-bas. Voilà. Quelqu'un est bloqué sous cette voie. Spider-Man, des types ont braqué une épicerie et sont partis comme des malades. C'est eux qui ont causé l'accident. Oh non. Faut que je trouve ceux qui ont fait ça. Ils doivent encore être dans le coin. Merci. J'ai cru que j'allais. C'est où? Je vois pas. C'est là, mais. Ah, c'est eux! D'accord. Je crois que vous avez oublié de faire un costard avant de partir. Oh, mais. Fuck! Ah, arrêtez! Oh putain! Ah, du coup. Paf! Ah! Et le dernier pour la route. Wow. What? Je me suis pris sur la gueule? Ah merde! Une file d'attente! Et bah du coup, tu arrives pour le dernier pigeon, Ellie. Et après ça, je pense que je m'arrêterai parce que. Ah, mais il reste encore un méchant? Bon. Pourquoi tu m'attaques, toi? Tiens! Voilà. Chaque fois que je vais à un endroit, c'est la guerre. Les démons sont plus dangereux que Fisk l'a jamais été. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Oh, GG. Oh putain, je les déteste! Oh fuck. Oh bah, voilà, très bien. Ah, moi aussi comme ça.
Ah mince, fallait faire 20 attaques aériennes, bah c'est mal barré. J'avais pas vu lui. Faut dire, les méchants, ils ont tous des tenues qui ressemblent à des tenues de flics. Hein. Je sais pas qui est gentil, qui est méchant là-dedans. Voilà, voilà. Les démons n'ont pas l'air de se calmer. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Bon. Ah, un pigeon. Ah, faut que je le rattrape. Merde! Oh, fuck. C'est bon. Ah, je l'avais. Ah! C'est presque là. C'est bon. Ah! 12 sur 12, pigeon! La victoire! Spider-Man, j'arrive pas à y croire! Toute la famille est réunie! Génial, Howard. Ces oiseaux ont de la chance de vous avoir. Je fais ce que je peux. Sandra se débrouillait bien mieux. C'était ses oiseaux à elle. Et maintenant qu'il est parti, ils sont à vous. C'est comme si une partie d'elle vivait encore, vous voyez. Je vois très bien. Vous êtes quelqu'un de bien, Howard. Si vous voulez passer voir la famille à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Clarence dit que vous lui manquez. Merci encore, Spider-Man. Ok, bon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas. Puisque... On a pas mal avancé encore une fois, mais beaucoup sur des trucs annexes. Et franchement, l'histoire, j'ai rien fait de l'histoire, quoi. Pour le moment, plein de trucs, mais l'histoire, OZEF total. Mais bon, pas grave, hein, c'est aussi partie du jeu, les trucs annexes. Mais du coup, c'était sympa. Attends, lui, il va me faire quelque chose. Yeah, tape dans mes mains. Toi le boss, yeah. Je sais. Bref. Bah du coup sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je reviendrai peut-être ce soir. Alors ce soir, si je reviens, je sais pas, ce sera sans doute du Dragon Quest, histoire de changer. Enfin, on verra. Alors, peut-être Spider-Man aussi. Je ne sais pas trop. Nous verrons bien. Mais voilà. Donc allez, je vous laisse et bon après. Allez, ciao.